Bienvenue dans Microferme, le podcast qui donne la parole aux paysans et paysannes d'aujourd'hui et de demain. Bonjour Edwin, on est ici à Graines et Grignotes, à Rouvroy-les-Merles en Picardie. C'est notre premier épisode en France. Est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ta ferme ? Alors bonjour, donc je suis Edwin, j'ai 31 ans. Et je suis paysan boulanger, donc je fais toute la chaîne, donc je vais du grain au pain. Donc moi j'ai toujours été passionné d'agriculture et de céréales. En avançant dans la réflexion du projet, j'ai découvert la transformation en farine et pain, donc ce qui a été tout de suite une évidence pour moi. Donc voilà, je suis installé depuis 2013 sur la troisième ferme Terre de Liens en Picardie, sur 15 hectares de terres cultivables. Terre de Liens, c'est donc... C'est une association du coup, nationale et qui collecte de l'épargne auprès des citoyens en fait. Donc chaque citoyen peut épargner à la foncière Terre de Liens et avec cet argent... l'association achète des terres agricoles pour les mettre à disposition de porteurs de projets en agroécologie. Tu tiens à maîtriser une grosse partie des étapes de fabrication du pain. De où à où est-ce que ça va ? Du coup, de toutes les étapes de fabrication, parce que ça va de la production, même je vais même jusqu'à la production de semences, enfin faire mes propres semences de blé et autres. En tout cas pour le pain, le blé. Et donc ça consiste à les cultiver, à les récolter, les trier, à les brosser même, avant de les moudre. Et après, donc de faire le pain, de faire le vin même avant de faire le pain, d'être même autonome en levain. Et du coup, de cuire les pains et d'aller les vendre. Donc c'est vraiment toute la chaîne. En plus de ça, tu vends encore d'autres produits, lesquels ? Du coup, dans la rotation, je ne peux pas mettre du blé tous les ans sur toute la surface. Donc, je cultive aussi d'autres céréales, le seigle, le petit épeautre, qui sont vendus en farine et ou en pain. Et aussi des légumes secs, comme les lentilles rosées, les lentilles vertes et les haricots, qui sont rendus en qualité alimentaire et vendus en direct en même temps que le pain, donc sur les AMAP, les marchés. Parce que tu commercialises uniquement en circuit court et le plus direct possible ? Ouais, j'ai 2-3 revendeurs. Ça reste un intermédiaire et parce que je peux pas être partout pour toutes les ventes, on est sur 9 points de vente sur 2 jours et ça représente pas la majorité de notre vente est en direct. J'ai envie de dire, on peut pas être au four et au moulin, mais pour toi c'est faisable. Et en fait, on vérifie ça le jeudi et le vendredi, on est au four au moulin, ouais. C'est un peu ça. Donc dans tout ton processus de culture et de transformation, tu essayes d'être au maximum autonome, ça on l'aura compris. Mais il y a quand même une ou deux étapes que tu maîtrises pas, si je me trompe pas. Ouais, il y a le décortiquage du petit épeautre que je fais faire par un prestataire. Et aussi le tri en qualité alimentaire pour les lentilles. On est un petit groupe là, d'agriculteurs en Picardie à s'intéresser au sujet et à réfléchir à investir en groupe sur ce matériel-là qui est assez coûteux. Du coup, à l'échelle d'une ferme, c'est vraiment pas intéressant d'avoir ce matériel. Donc voilà, c'est le tout début du projet. Et ça se récolte avec quoi comme machine des légumes secs ? En fait, la moissonneuse et le choix des cultures qu'on fait ici sur la ferme, c'est parce qu'elles peuvent être récoltées avec l'outil de récolte qu'on a et la moissonneuse. Qui a une vieille moissonneuse classe ? Qui est une vieille moissonneuse classe de 1967 et qui fait très bien son travail. Et il faut savoir également donc, que tes sols sont assez particuliers. Enfin, tu parles d'une bonne partie et de moins bons sols. Ouais, on a du coup 15 hectares en deux parcelles. Hein. Il y a une parcelle qu'on appelle le cranette en fait chez nous. Donc c'est des terres plutôt limono-crayeuses, à pH de 8,5 et 15-20 cm de terre arable. Et
En dessous, c'est la roche mère, c'est le calcaire. Et l'autre parcelle est 10 mètres plus bas, et du coup, c'est plus une terre de fond, limoneuse et plus profonde, et qui nous donne les rendements le double de l'autre parcelle, en fait. Quand on a visité le tour de ta parcelle, j'étais très impressionné d'entendre que tu n'as aucun intrant dans tes cultures. Quelles sont les stratégies que tu mets en place pour y arriver? Alors du coup, je compte sur la richesse du sol et de la vie du sol. Et aussi donc en implantant tous les 3 ou 4 ans, ça dépend des parcelles, au moins pour un an, des légumineuses fourragères type luzerne, sainfoin, trèfle, qui ont la capacité de capter l'azote de l'air et de la stocker dans le sol, ce qui est bénéfique pour la culture suivante, le blé qui est très gourmand en azote. Et après, du coup, dans la rotation, je vais intercaler des légumineuses, voire des associations céréales légumineuses. Et voilà, et comme ça, j'arrive à être autonome en fertilisation. Et intervient également là-dedans le fait que tu restitues toutes les pailles au sol, non? Oui, c'est ça. Quelle est l'association qui marche le mieux et que tu refais sans hésitation chaque année? Alors, chez moi, et par rapport à le type de sol et la parcelle de granit, c'est le seigle lentillon qui était cultivé en Picardie il y a très longtemps. Et pour bien réussir l'association seigle lentillon, comment est-ce que tu t'y prends? Alors, en fait, si on veut privilégier la lentille, il faut la mettre plutôt en fin de rotation et quand le sol contient moins d'azote. En début de rotation, du coup, on est derrière le trèfle et la luzerne, donc on a une disponibilité en azote qui est assez importante. Et plus on met des cultures qui vont puiser cet azote, moins on en a. Et les légumineuses n'ont pas besoin de beaucoup d'azote, donc ça va très bien. Et ce qui permet à la céréale de ne pas prendre le dessus parce qu'il n'y a pas trop de disponibilité en azote. Et donc tu m'as dit que pour ça, il fallait aussi semer le seigle très peu densément. C'est ça, on sème le seigle beaucoup moins dense que si on le mettait en pur, et la lentille presque la densité du pur. Et du coup, le seigle sert de tuteur pour la lentille, qui est comme le pois qui va verser en fin de cycle, et ce qui fait que c'est beaucoup plus facile à récolter avec une plante tuteur. Des blés population et des blés modernes. Ouais. Pourquoi ce choix-là? Alors, je me suis intéressé dès le début aux blés population. C'est des blés qui étaient cultivés sur nos terres. Ils ont disparu autour des années 1900. Et donc, il y a un savoir-faire en fait qui est perdu. La quantité de semences aussi, on peut pas les commander et avoir ce qu'on veut, donc on les a par 100 grains à l'INRA de Clermont-Ferrand ou dans les réseaux de semences paysannes où la multiplication a déjà été commencée. Donc c'est un long travail de multiplication, d'observation qui m'a amené à faire des choix en tout cas agronomiques, parce qu'on commence par là avant d'en avoir suffisamment pour faire le pain. Il faut d'abord les cultiver et les observer au champ. Et donc, c'est les premiers choix qu'on fait, c'est par rapport à l'agronomie et à ce qu'on observe dans les champs. Et donc, dans les terres assez profondes et assez riches, on est très embêté par la verse du coup, de ces blés qui ont des pailles assez hautes. Et donc, je les ai réservés pour les terres un peu plus pauvres, et où ils sont plus adaptés, ils vont savoir se nourrir dans ces terres-là. Et du coup, dans les terres plus riches, j'ai préféré les blés modernes, qui sont plus, qui se sortent très bien dans ces terres plus riches. Et il y a aussi le fait que les blés de population en panification, ils sont un peu plus délicats à travailler. Pareil, il y a un savoir-faire qui est un peu perdu,
Donc ça fait des pains qui sont un peu plus étalés, qui sont voilà, des fermentations qui sont un peu différentes. Allier blé moderne et blé population en panification, ça devenait intéressant aussi, en sachant qu'on a une clientèle qui n'est pas forcément en recherche de blé population. Voilà, ils sont déjà sur le pain au levain bio, et après c'est aller un peu plus loin. En sachant que les blés population, c'est un peu plus compliqué du coup à cultiver, il y a des rendements qui sont un peu inférieurs, et du coup ça il faudrait qu'on puisse le valoriser. Et pareil, ça veut dire qu'il faut il faut vraiment informer les gens, et vraiment il y a un travail pédagogique autour de ces blés-là pour que les gens veuillent bien mettre un peu plus d'argent, parce que bah, effectivement il y a moins de rendement, c'est un travail qui est plus délicat en panification. Et c'est des pains qui vont prendre plus de place dans le four. Donc plus de place dans le four, ça veut dire qu'on sort moins de pain et moins d'argent. Et peux-tu nous parler un peu des chiffres de ta ferme? J'ai commencé tout seul, donc, avec un chiffre d'affaires autour de 50 à 65 000 euros les 3 premières années, donc avec une progression. Voilà, mais en sachant que j'avais commencé déjà un petit peu avant. Donc ce qui permet en fait de dégager au niveau comptable, hein, de dégager un SMIC, voilà, donc, que moi j'ai décidé de mettre dans les investissements et plutôt dans du confort de travail, parce que j'avais besoin de pas grand-chose. Donc ma compagne m'a rejoint du coup sur la ferme et on a créé un GAEC. Et aujourd'hui, on sort autour de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, ce qui, pour l'instant, on est limite à un SMIC par personne. Mais voilà, on est un peu en évolution aussi. Dans ton chiffre d'affaires, quelle est la proportion de pain que tu vends et de légumes secs? Je mettrai pain et brioche ensemble, parce que voilà, c'est les produits transformés, on a à peu près 70% du chiffre d'affaires, donc c'est quand même le gros de l'activité. Et après, on doit être à 20% de légumes secs, donc lentilles, lentillons, haricots secs, pois cassés, parce qu'on revend un peu de pois cassés, et il y a 10% qui représente le chiffre d'affaires de la farine. En détail. Tu avais dit aussi que ça, tu avais calculé le pain, ce que ça te rapportait par hectare. Oui, du coup, un hectare de blé vendu en pain, ça représente 15 000 euros de l'hectare. Comparé aux légumineuses, qui seraient à... Les légumineuses, on est sur 4 500 euros à l'hectare. Comment est-ce que tu arrivais à en faire une activité viable après 6 ans? Ça se fait petit à petit. Moi, j'avais commencé dans une entente couveuse d'entreprise, donc où mon chiffre d'affaires payait les charges et mon salaire. Du coup, j'ai pu commencer à créer ma clientèle en fait, sans savoir où m'installer, parce que c'était avant de trouver cette opportunité. Ici, du coup, ça m'a quand même aidé pour commencer à créer une clientèle, et que j'ai gardé puisque 9 mois après, je m'installais donc à Rouvroy-les-Merles, et j'ai pu garder cette clientèle. Ce qui m'a permis la première année de pouvoir investir dans tout le matériel qu'il faut au début, parce que les banques ne suivent pas forcément, en tout cas les banques classiques ne m'ont pas suivi. Et donc j'ai beaucoup autofinancé et autoconstruit les installations, dont le four. Comment ça s'est passé? Donc oui, c'est un four de boulangerie qu'on a démonté à côté de Cambrai. Voilà, on a trouvé une annonce de quelqu'un qui voulait se débarrasser du four et récupérer la pièce pour agrandir sa maison. Et c'est un four qui, a priori, le doyen du village, qui avait 90 ans à l'époque, n'avait jamais vu fonctionner.
C'était à 2 ans avant l'installation, donc j'avais du temps de disponible pour le démonter. Donc on a pris toutes les côtes et beaucoup de photos, démonté en 8 jours à 2, 3 et 4 personnes. Et donc toujours sans savoir où l'installer, mais on l'a stocké pendant 2 ans chez mes parents. Donc forcément, arrivé ici, il fallait le reconstruire. On l'a reconstruit sur 1 an en travaillant que les week-ends. Là, on a été jusqu'à 10 personnes à travailler dessus. C'était vraiment un gros gros chantier et jusqu'à la fin, jusqu'au conduit de cheminée, on ne savait pas si ça allait fonctionner. Wow. Et vous avez dû faire une cheminée aussi alors. Ouais, on a dû Elle faire une était cheminée. Il y avait une cheminée, mais qui était existante. trop petite, et donc on a refait une cheminée. Quel beau travail. Ouais, c'est impressionnant aujourd'hui. Dans le feu de l'action, on se pose pas trop de questions. Il faut pas se poser de questions. Voilà, il faut que ça aboutisse et il faut garder la force et pas de découragement devant des chantiers comme ça. Mais aujourd'hui, on peut apprécier la récompense de ce travail. Il y a encore d'autres choses que tu as auto-construites? Alors, un peu de matériel agricole, voilà, parce que au début, voilà, on ne peut pas tout acheter. Donc, moi, j'aime bien travailler sur le matériel agricole, modifier des choses. Et j'ai installé toute la chaîne de tri, transport du grain et tri. Là, pareil, on a démonté dans une coopérative désaffectée. On a racheté du matériel qui servait plus. Et on a passé une semaine, oui, de 4 à 8 personnes à démonter tout ce qu'on pouvait dans cette coopérative. Donc, on a ramené un semi remorque complet de matériel. Et donc, à arriver ici, après, il fallait tout installer. Donc voilà, au fur et à mesure, j'ai monté ma chaîne de transport de grains, tri de grains, les cellules de stockage. Et il y a aussi la brosse à blé qui a été auto-construite avec l'atelier paysan. Et il y a du matériel que tu as acheté? Ah oh oui, ben, le moulin c'est un moulin type astrier. Il y a quelques artisans qui fabriquent ça en France. Mais là, voilà, il y a un vrai savoir-faire sur ces machines et qui font du très bon boulot. Et voilà, là, c'était un peu une évidence d'acheter du neuf. C'est quoi un moulin de type astrier? En fait, les frères Astrier, c'est deux frères du Tarn qui ont travaillé pendant 50 ans sur la meunerie à la ferme et qui ont mis au point un moulin à meule de pierre qui respecte du coup le procédé ancien, mais avec les techniques modernes. Donc l'entraînement est électrique. Les pierres sont d'une seule pièce et sciées par des machines, donc on a une précision assez importante. Et ils ont travaillé énormément sur l'habillage des meules, du coup la taille des meules pour avoir une extraction à 80% en blé en un seul passage et sans échauffement. Donc j'ai acheté oui, du matériel d'occasion essentiellement sur le matériel de travail du sol, voilà, et j'y ai apporté des modifications si voilà, comme je le souhaitais. Tu m'as dit que tu aimerais bien encore dans un but de développement racheter quelques terres, mais c'est plus difficile que prévu. Oui, alors du coup, comme aujourd'hui on est deux sur la ferme, forcément il faut sortir un peu plus de pain et on fait des brioches maintenant, donc il faut un peu plus de blé. Et du coup, on n'est pas autonome en blé. Effectivement, voilà, on cherche à s'agrandir un petit peu, hein, de l'ordre de 8 à 10 hectares. Mais en Picardie, il y a une pression foncière qui est assez terrible. Il y a des fermes voisines de 90, 120, 150 hectares qui sont cédées.
Et nous, on n'est pas au courant, et elles partent à l'agrandissement sur des grosses structures qui ont déjà 600, 800 hectares. Donc, tu as vraiment un problème pour retrouver du nouveau foncier, tu en as trouvé maintenant? C'est très compliqué. Ouais. C'est aujourd'hui que je me rends compte que c'est une chance d'être ici, vu la difficulté de trouver des terres agricoles. Est-ce que tu auras un conseil à donner aux porteurs de projets qui désiraient s'installer comme toi? Voilà, vous voyez, un conseil, c'est aller visiter un maximum de fermes qui fonctionnent et rencontrer des gens qui font le même métier que vous voulez faire. C'est très très important, c'est très enrichissant déjà, et ça permet d'une d'enlever des barrières qu'on se mettrait, et aussi de retirer des utopies qu'on aurait sur certaines choses. Voilà, mais tout en gardant quand même sa personnalité dans le projet. De toute façon, moi, ce que je retiens des visites de ferme que j'ai fait avant de m'installer, c'est que j'ai pioché toutes les idées qui me paraissaient bonnes chez les gens, et après on fait sa petite cuisine, et on sort du coup son projet qui est un peu inspiré des autres, et accompagné par les autres. Si tu devais recommencer ton installation il y a 6 ans, qu'est-ce que tu ferais différemment? Je pense que j'emprunterais un peu plus pour être un peu plus en confort. Parce que les premières années, j'ai un peu souffert de ça, de ne pas avoir suffisamment d'équipement, et de pas pouvoir financer certaines choses, et de prendre vraiment sur tout l'argent, le peu d'argent qui rentrait. Mais quand on démarre un projet, on ne sait pas ce que ça va donner, et moi j'ai eu peur d'emprunter plus, mais je pense que il faut pas, enfin, faut pas avoir peur d'emprunter suffisamment, en tout cas. Mais c'est très compliqué à équilibrer, en tout cas. La petite question de la fin, quelle est ta variété préférée? Je me suis pris un peu de passion pour le sainfoin, je dois l'avouer. Le sainfoin qui nourrit tes abeilles. C'est ça, les abeilles et le sol. Et qui, voilà, c'est une plante qui est merveilleuse et qui n'est Qui pas est belle assez aussi, je dois cultivée, qui dire. est très jolie à la floraison. Super, merci Edwin pour cette discussion. Merci.